Sonia Chupacheux, comme toujours, vous revient avec les people du monde entier. Aujourd'hui, le show se passe avec un showman. On reçoit sur ce plateau un artiste chanteur de renommée internationale. Vous avez dansé grave sur ses tubes, le fameux coupé Limbamba. D'autres encore, d'autres tubes que vous connaissez tous en cœur. Et tout récemment, Ennemi Solo. Avec le groupe P-Square, il s'agit bien évidemment du propriétaire de tous les dossiers. Ah, vous avez deviné de qui il s'agit? Alors il s'agit bien entendu du swag, de la dynamique, du... Wow, Awilo Longomba. À mes côtés, Awilo Longomba, Nash, l'exclusion assurée. Comment tu t'appelles? Qui moi? Je m'appelle Ennemi Solo. Ouh, c'est parti. Mes amis, je vous aime beaucoup. Moi, Awilo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Là, vous êtes en train de nous suivre sur Nash People Show, l'émission qui cartonne et ça va barder. Ne zappez pas, ne zappez pas. Ne quittez pas et télécommande, la laisse là comme ça. Suivez-nous, suivez-nous. Je suis là. Merci. Alors, salut, bienvenue sur le Nash People Show. Nous recevons un artiste de renommée internationale. Un artiste pas comme tous les autres. Un artiste qui a la patate, la dynamique, qui est actuelle, qui est swag, surtout qui est in. Alors, il s'agit bien évidemment d'Awilo Longomba. Ouais. Merci. Bienvenue sur le Nash People Show, Awilo. Merci. Le propriétaire de tous les dossiers. Comme on le dit souvent. Comme on dit souvent. Et d'ailleurs, oui. Pourquoi le propriétaire de tous les dossiers? Oh, c'est un sobriquet. C'est venu juste comme ça, m'amusant. Juste comme ça? Oui, oui, c'est venu juste comme ça. Vous savez, nous, les artistes, on aime toujours se coller des sobriquets sobriquets. Peu. Je suis le roi de... Oui. Je suis le professeur de... Mais il y a toujours et moi, une raison. Moi, je me suis dit, voilà. Il y a toujours des raisons. Je peux être le roi de... Comme ces jours, on me dit, on m'appelle le roi de la technosoukous. Oui. Ça vient comme ça. Ça vient tout comme ça. Comme je peux, ça peut être, voilà, le... C'était venu comme ça, le propriétaire de tous les dossiers. De tous les dossiers. Ça me colle jusqu'au et jour. Ça te colle. Et d'ailleurs, tu l'as aussi chanté, bien entendu. Quoi. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Et aussi, il paraît que tu es l'oncle du joueur français, du footballeur français, Makelele. Oui, c'est le fils de ma grande sœur. Waouh, qu'on salue déjà. Salut, salut. Voilà, Awilo Longomba, ton dernier titre, Ennemi Solo. On a vu un clip balèze, balèze, mais d'enfer, un clip magnifique. D'ailleurs, tu es en feat avec le groupe P-Square. On a envie de se demander comment ça se fait qu'une telle collaboration se mette en place. Qu'est-ce qui a initié cette collaboration-là? Ben, c'est venu comme ça. J'étais des passages. J'étais invité à Lagos pour une émission télé. Je suis arrivé là-bas. Ils m'ont repéré à la télé. J'étais là-bas. Bon, ils m'ont invité. On est allé se voir. On s'est vu. C'est l'autre qui m'avait invité. Tout fait ce qui m'avait invité. Oui. Parce que j'étais invité par leur première chaîne de télé. Oui. Pour l'équivalent de leur X-Factor. Ah, d'accord, X-Factor. Oui. Donc, je suis passé à la télé, bon, ils m'ont vu, bon, voilà, oui, Lo est là, ils m'ont invité, c'était lors d'une soirée, et puis on a parlé, bon. Comme c'est des artistes aussi que c'est des artistes que j'apprécie bien, que j'aime beaucoup. Bon, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, ah, mais grand, écoute, tu nous as fait beaucoup danser ici au Nigeria, quand on était enfant. Parce que tu as beaucoup marché dans ce pays-là, le Nigeria, énormément. Oui, et ils m'ont dit, pourquoi pas faire un truc ensemble. C'est de là qu'est née l'expérience Ennemi Solo. On est rentré en studio et puis on a fait Vous avez fait ça. Le feat et puis la vidéo qui a La vidéo qui est sortie. En tout cas, on va voir le clip tout à l'heure. Peace, I am a belle. Ah oui, là, I am a belle. C'est
vraiment mieux. Le morceau est super, les costumes, vous êtes beau dessus, c'est hallucinant, j'adore. Tout comme Boundélé aussi, Boundélé. Que vous dit Boundélé? Ah, Boundélé, c'est bouger. Bouger, c'est en Lingala. Bouger le corps. Oui. Non, c'est pas en Lingala, c'est un peu en portugais. En portugais. Oui, c'est en portugais, c'est bouger le derrière. Bouger le derrière. Voilà. Waouh. Boundélé. C'est... Oui, ça, c'est aussi un single qui a été produit par Will Record aussi. Oui. Parce que j'ai tu as un label. Mon label. C'est le label qui a produit Enemy Solo aussi. Et c'est le label qui va produire mon album qui est en train de venir. Qui est en train de venir. Donc, voilà. Cet album s'annonce vraiment très fort parce qu'on a des titres hyper dansants, hyper forts, hyper actuels d'ailleurs, qui font vraiment bouger à l'image de ce que tu nous as habitué déjà depuis plusieurs années. Et donc finalement, qui est-ce qui écrit ce titre Enemy Solo? C'est toi ou c'est Piscoin? Au départ, c'est moi. J'ai écrit, vous entendez, c'est... quand vous entendez les paroles, c'est en Lingala. C'est en Lingala, tout à fait. Oui, oui, c'est moi. Et puis bon, je leur ai expliqué qu'est-ce qu'ils voulaient dire Enemy Solo. Et puis ils ont, oh voilà, Enemy. Ils ont rajouté puis, un petit peu. Ils ont écrit en anglais la partie. Je les ai un peu indiqué, bon voilà, l'histoire c'est comme ça, comme ça. Et puis ils ont écrit c'est leur parti. Partie. If you didn't wish me good, il faut dire que ton histoire dans la musique est assez particulière parce que tu ne commences pas en tant que chanteur, tu commences en tant que batteur dans Viva la Musica ou tu as commencé bien avant? Non, je suis batteur d'abord. Dès mon tendre enfance, j'étais batteur dans des petits groupes. Et puis professionnellement, j'ai commencé à intégrer des grands groupes de mon pays, comme en tout cas c'était Lita Bembo. Après, il y a eu Viva la Musica et tout. Du coup, comment ça s'est fait? Parce que Viva la Musica était un groupe qui avait été initié, créé par Papa Wemba, le feu Papa Wemba. C'est bien ça. Et comment ça se fait que tu sois parti du groupe pour créer le tien? Ah ben, les mésententes. Et puis, on avait senti qu'on avait grandi. Bien sûr. On avait senti avec un groupe d'amis. S'affranchir un petit peu. On lui avait seulement dit bye bye, on y va, on va aller... tenter d'aller voir ailleurs. Et puis bon, c'est parti comme ça. Et quels étaient tes rapports avec le regretté Papa Wemba, qui est décédé d'ailleurs dernièrement, toutes les condoléances à la famille. Quels étaient tes rapports avec Papa Wemba? Des très bons rapports. À l'heure d'aujourd'hui. Des très bons rapports. Sortant de son groupe, il était fier de le dire quelques fois dans quelques interviews. Voilà, ah oui, il vient de mon groupe, voilà, c'est un exemple, voilà, et tout. Mais sinon, humainement, c'était quelqu'un de bien, de très marrant. On a passé des très bons moments. C'est la première fois où j'ai voyagé pour aller en Europe, en tournée, tant que batteur. C'est quand je faisais partie de Viva la Musique à son groupe. Oui, c'est la tournée qui nous avait amené jusqu'au Japon. Ça, c'était en 1986, 85-86. On est revenu après, bon, on est resté longtemps. On s'est quitté en 1992. 92, donc il y a quand même eu un chemin, un long chemin oui, qui a été 8 fait. 8 ans et... Ah oui, c'est énorme. Il y a eu des dizaines d'albums quand même. Ah, bien sûr. Moi, j'étais à la batterie. Et qu'est-ce que ça t'a fait l'annonce de son décès récemment? Ouf, un choc. Ah, ouais. Un choc. Surtout, vous voyez, il y a des... On peut se préparer des fois quand on apprend que quelqu'un est malade, il est hospitalisé et tout. Je sais pas, mais ça c'est accidentel, comment il est mort, accidentellement. Et tout ce qui est mort subite, c'est toujours choquant. Bien sûr. Et en plus, c'était en live, on voit comment il est tombé. Tout le monde a vu. Ça fait mal. Ouais. Donc, j'avais eu le message de sa mort, quoi, les nouvelles. C'est un ami qui m'avait appelé d'Abidjan, très tôt le matin. Pour me dire que non, ça n'allait pas, papa n'allait était, pas. Voilà, était décédé. Festival au FEMUA.
Oui, au FEMUA, oui. Oui, exactement. Mais bon, on a essayé de faire le deuil aussi. Hein. Moi, j'habite à Londres. Oui, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que quelques personnes t'avaient indexé en disant que tu n'étais pas allé aux obsèques. Qu'est-ce que tu réponds à ça, finalement? Ben non, c'est une question d'organisation, parce que quand son corps était encore à Abidjan, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait rapatrier le corps et tout. Il fallait tout un programme, il fallait s'organiser, il fallait que moi j'organise par rapport à mon billet, à mon déplacement pour aller à Kinshasa, pour le visa et tout. Bon, le temps était trop court. Trop court, oui. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai organisé les obsèques à Londres, avec des amis, avec la communauté congolaise. Et j'ai même organisé un concert qui est joué à sa mémoire. Motopamba, couper Libamba et également Gâter le coin. Un titre qui a très bien marché au Cameroun d'ailleurs. Et tu as un rapport particulier avec ce pays, hein, le Cameroun, parce que tu as plein de copains camerounais et tu as fait plein de concerts au Cameroun. Qu'est-ce que tu dirais aux fans du Cameroun qui t'écoutent actuellement? Si tu avais un petit mot à leur dire. Primo, je les aime beaucoup. Oui. Parce que le public camerounais est... Le peuple camerounais, je dirais, m'ont vraiment adopté. Tu as beaucoup chanté pour des confrères. J'ai beaucoup... Il y a même les Nigériens, à un moment, à une époque, ils me prenaient pour un camerounais. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que je suis camerounais. Parce que dans toutes mes chansons, souvent, je chante Yaoundé, Douala, blablabla. Oui, et puis tu appelles Eto, il y a plein de gens comme ça. Genre Jouéa, tout ça, voilà. Donc, le Cameroun et moi, c'est une... grande histoire d'amour qui ne finira jamais. J'ai vu aussi, j'ai lu dans une interview où tu disais comme ça quelque part que tu étais quand même un petit peu, tu regrettais que ton peuple ne consomme pas beaucoup ta musique. Que voulais-tu dire? Ah, pour le Congo. Pour le Congo, voilà. Si, consomme. Maintenant, il y a Ennemi Solo qui est numéro un là-bas, ça fait un moment. Je pars au Congo là. Oui. Parce que l'interview date. J'ai une série de concerts, oui. Hein. Oh, oui. J'ai une série de concerts. Oui. Donc, je vais passer là-bas pour faire un. Pour faire des concerts, je suis invité finalement. Oui, Carolina avait beaucoup marché au Congo. Et Ennemi Solo, les gens s'y retrouvent parce que je chante. En lingala j'ai toujours chanté en lingala. Parce que c'est un thème qui concerne. Qui touche un peu tout le monde. Mais c'est quoi le thème d'Ennemi Solo? Parce que malheureusement, je ne comprends pas lingala. Ennemi Solo parle de quoi exactement? Ennemi Solo, ça veut dire l'ennemi qui sent mauvais. Est-ce qu'il y a un ennemi qui sent bon à Hulot? Est-ce qu'il y a de bons ennemis finalement? Non, tous les ennemis sentent mauvais. Ah ben ça, mais, c'est clair. Oui, anecdote, c'est quoi? Quand on était enfant, quand il y avait des fois où vous chamaillez avec un ami et ensuite vous ne vous parlez plus. Alors quand vous croisez la route de cet ami, c'est toujours, vous lancez un cri à ennemi solo. Oui, ah, je ne savais pas. Ennemi solo. Ennemi solo. Nous, au Cameroun, on fait ça. Voilà, c'est les ennemis solo. Ah, d'accord. Il y a des gens pour rien. Il y a aussi des gens pour un rien. Ils vous haïssent pour rien. Pour rien. Jalousie mal placée. Ah oui. Jalousie gratuite. Méchanceté gratuite. C'est peut-être aussi quelque part le propre de notre peuple, un petit peu, parce que... Un peu. Voilà, c'est le Congolais se sont retrouvés. Ils se sont dit, ah voilà, c'est... C'est un refrain qui berçait notre enfance aussi. Et pour cela, la chanson marche trop fort au Congo aussi. Oui. Et partout. Si. En tout cas, moi, je danse dessus déjà depuis quelques semaines et je peux te dire que comment j'adore. Il faut que je te montre. Montre-moi. Musique, envoyez. Ennemi solo. Les camo. Aïe. Ennemi solo. Ennemi solo. Ennemi solo.
Suki sa suki sa kombo nanga. Allez, camo, 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 camo. P square, bro. Ah, et voilà. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, merci beaucoup. Super son qu'on va réécouter. Tu danses bien, hein? Allez, camo. Un petit peu à ton feat avec Jocelyne Bérois des Cassaves. À l'époque, on vous a prêté une relation amoureuse, une idylle. Bon, maintenant, tu peux tout nous dire parce qu'il y a prescription quand même depuis le temps. Qu'en était-il exactement? Ouh, Jocelyne, c'est une amie. Ça date quand même. Oui, ça date. Mais à l'époque, c'est on pensait que vous étiez en couple. Non. On n'était pas en couple, c'était une simple amie, une amie qui faisait partie du groupe Cassaves. Et vous êtes rencontrés? Mais on s'est rencontrés comme ça. Vous voyez, les musiciens, comment on se rencontre aujourd'hui? Par exemple, ici, je viens de croiser les gens. Ça peut attirer une relation. Une relation de travail. C'est le cas avec Jocelyne Berroir du groupe Cassaves. Tu es très apprécié par la gente féminine, hein, ça il faut le dire. Ah bon? Parce que, bah oui, Awilo, je ne savais même, pas. Même moi j'avais les posters dans ma chambre parce que tu dégages quelque chose, un sex appeal, une énergie, un truc de ouf quoi. On se dit mais... J'ai froid là. Elle n'est pas froid, je croyais que ça te réchauffait le cœur. On se demande du coup, Awilo carbure à quoi? Qu'est-ce qui te donne cette énergie, cette force? Il y a un truc chez toi, un côté non limite au fait. On se dit ça va aller jusqu'où, mais qui a beaucoup de charme. Non, je pense que je crois pas à l'astrologie. Des fois, je crois. Peut-être c'est dû à mon signe astrologique. Je suis taureau. Ouais. Je suis un fonceur, je fonce. Ouais. Et c'est ma nature aussi. Je suis comme ça. Je suis né comme ça. C'est Dieu m'a créé. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme cela. Il y a des gens comme ceci. Ouais. Et moi, je suis comme je suis. Tu es comme tu es, donc... Je ne force rien, je n'essaye pas d'être artificiel, je suis naturel. Naturel. Et c'est ça qui fait moi. On a comme ça, vu de ce que nous on voit, on a Awilo qui est très dynamique, souvent sur les clips. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je te trouve hyper calme quand même. Moi, je m'étais préparée, je me suis dit, non, ce mec-là, il a trop la patate, il a trop de dynamique. J'ai dit, ok, je vais me préparer. De ce qu'on voit, il y a vraiment cette image joviale, cette passion, cette dégaine. Il y a plein de choses qui passent justement quand tu es sur tes clips. Est-ce que c'est fidèle au personnage que tu es dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es toujours aussi dynamique? Là, c'est quand je suis dans mon élément. Dans ton élément? Oui, quand je suis sur scène, par exemple. Et derrière? Quand je joue mon rôle d'acteur, Awilo Longomba, le chanteur, le showman, sur scène, sur les plateaux, pas sur les plateaux de la télé, j'étais quand même dynamique tout à l'heure. Bien sûr. Tu feras un petit peu là. Comment tu t'appelles? Là, il faut venir. Là, il faut venir. Là, il faut venir à. Là, il faut venir à. Oh là! Oh, j'adore. Il faut venir à mon show. Bah oui, bien sûr. Je suis là ce soir. On est pas de problème. Ensemble. Voilà. Là, on va danser. Et même les prochains. Pas de problème. Je vais prendre un abonnement. Oh, j'apprécie. J'apprécie. En plus, tu danses bien. Bah oui. Tu viendras danser dans un de mes concerts un jour, peut-être. Ah, bah, avec plaisir. C'est noté, on prend note. Ah oui, je viendrai danser, voilà. Ah, c'est pour rire. C'est noté. Avec plaisir, en tout cas. Qui se cache derrière l'homme? Rien. Est-ce qu'Awilo est un père de famille? Parce qu'on t'a attribué pas mal de paternité vu le succès que tu as auprès des femmes. Il paraîtrait qu'Awilo aurait au moins une trentaine d'enfants. Non. Non, il y a combien j'ai alors? J'ai 6 enfants. 6, d'accord. J'ai 6 enfants. Oui. J'ai 5 garçons et une fille. Waouh. À part la princesse. Celle-là, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas personne d'autres. Ne vienne vous mentir un jour, voilà. Ah oui, Loa,
7 ou 8, non, j'ai 6 enfants. 6 enfants. Mes 6 enfants. Voilà, Awilo, moi je suis partie à la découverte d'Awilo. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas sur toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Je dis, quelle est la chose la plus stupide, par exemple, qui te soit arrivée dans ta vie? Petite anecdote? Beaucoup. On fait toujours des erreurs tous les jours, on fait toujours des bêtises. Hein. Ben, à un moment donné dans la vie, à un moment, on s'assagit. On s'est dit, voilà, l'expérience rend sage, il faut essayer de se contrôler. Comme on dit, nul n'est parfait. Donc, je ne suis pas parfait. Quelle est cette chose-là que tu aimerais nous confesser ici, du coup? Ah, ça, c'est mon secret, je ne peux pas dévoiler mes secrets. Non, les gens vont se moquer de moi. C'est viré après. C'est si grave que derrière ça. La caméra. Aïe, aïe, Kolobi Sangayite, Enemi Solo, on est ensemble. Parce que je trouve que la force de la musique, c'est les échanges. Les rencontres, les échanges, les collaborations. Regarde, moi, je viens de faire un featuring avec P Square. C'est la jeune génération. Donc, c'est moi qui allais vers eux à peu près. Même si quand on s'était vus, on s'était dit, ah voilà, pourquoi pas faire un truc, ah, ça va, on va faire quelque chose. Mais comme tu es là, les gosses, je t'ai invité pour une émission, on s'est vu, ah, comment, ah oui, là, on va travailler, on va faire un titre. Mais j'étais partant. J'avais demandé, j'ai dit, mais il faut qu'on fasse un truc avec vous aussi, vous marchez bien mieux. Mais non, c'est ça. Connu pourquoi de... moi, je n'ai pas donné la chance aux jeunes aussi. Exactement. Ayant connu de multiples succès avant, je suis sûre qu'ils ont été fans de toi, même, les P Square. Mais c'est ce qu'ils m'avaient dit, c'est voilà. Ça qui m'avait fait rire. Ils m'ont dit, écoutez, nous, parce que je suis resté au moins plus de 10 ans numéro 1 oui. Dans les parades au Nigeria. Au Nigeria. Oui. L'anecdote, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y a Paul et Pierre. Même les autres, Flavor, j'ai vu aussi. Oui, Flavor. Ils m'ont dit, ah mais nous, on grimpait le mur pour te regarder quand ah tu ouais, chantais. Mais, ah oui, et oui, les ouais. Flics nous chicotaient. Ah ouais. Les derrière, on tombait, on courait. Et quand tu passais dans la rue, nous on courait derrière. Moi, j'ai dit, ah, vous étiez parmi ces gens-là qui couraient derrière ma voiture. Ils ont dit, eh oui, bien sûr. Bien sûr, oh, c'est mignon ça. C'est bien vraiment... sûr, c'était nous. Ouais. Et tout. Parce que c'est des chanteurs à succès, hein. Ils ne feraient, oui, ils ne bien sûr. Pas un featuring ouais, avec n'importe quel chanteur. C'est des grands. C'est des grands aujourd'hui. Et, actuellement, et, oui. C'est pour cela que tu vois aussi dans certaines chansons nigériennes, ils dédicacent toujours à Willow. Bien sûr. Comme la fille qui a chanté là, Yemi non, Alat. Oui, Yemi Alat. Ah, un jour, elle m'a appelé pour me dire, écoutez, j'ai chanté ton nom. Non, j'ai dit, ah bon? Il singa Willow. Ah, non, non, non. Il y en a beaucoup qui chantent aussi, hein, oui. Qui ont beaucoup dédicacé à Willow. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce que c'est des jeunes qui me rappellent qu'ils ont été bercés par ma musique. Par ta musique. Quand ils étaient sur les bancs de l'école. Et je les ai inspirés. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas cette génération-là. Ils ont pris goût, c'est ce qu'ils m'ont vraiment confirmé à Willow. Tu nous as donné goût. Parce que, honnêtement, le côté swag dans la musique africaine, comme ça... Moi, j'ai une référence, c'est toi, hein. Bah oui, je veux dire, le mec était déjà devant la tour Eiffel, il dansait, il chantait. Ah oui, il y avait déjà les looks, les trucs. Ah attends, oui, mais, on suivait la mode aussi, hein. C'est pas moi qui l'ai créé. Mais oui, c'était assez extraordinaire en tout cas. Merci, hein, je le prends bien. Oui, je suis très heureuse. Je réalise un rêve ici finalement, le rêve d'avoir Awilo en face de moi. En tout cas, merci. C'est bien parce que tu travailles beaucoup avec la jeune génération. Comme tu as dit, tu donnes beaucoup parce que j'ai cru voir aussi que tu as fait un feat avec Nathalie Makoma. Oui, la oui, grande, oui. La belle, la gigantesque voix. Oui, oui, oui. Et donc, c'est vraiment génial comme ça de donner aussi du tien à cette génération qui te remercie, d'ailleurs. C'est un titre qui promet. Ouais. Et Imabé. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Est-ce que tu as un petit mot pour tes fans qui te regardent au Cameroun et partout dans le monde? Oui, bien des bonnes choses.
Et l'amour, que de l'amour, toujours l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, les propriétaires de tous vos dossiers vous aiment. N'oubliez pas, avec le prochain album d'Awino Longomba qui est prévu pour cette année, hein, déjà vous avez les sons Enemy Solo et Bundele, donc je vous invite à continuer à faire tourner. Restez connectés. Stay tuned. Enemy Solo. Allez, camo, 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 camo. Awino, grow. Allez, clap your hands. Retrouvez-moi mes People Love sur la fanpage de Nash People Show sur votre Facebook. Donc tapez Nash People Show et retrouvez-moi tout à l'heure. Donc interagissez par rapport à l'émission que vous venez de voir. Dites-moi si vous aimez ou pas. Et peut-être vous aurez la surprise de m'avoir en live et on pourra discuter. Je vous adore. Nash People Show.